Christine Brouillard, on va parler de votre dernier roman et on est un peu dans la thématique avec le mois de novembre parce qu'il s'appelle le mois des morts. Oui, et ça se passe en novembre, effectivement. Ouais. Oui. Parlez-moi un peu de l'histoire de ce roman. C'est un roman, c'est un Maud Graham, donc c'est la 21e enquête de Maud Graham à Québec, bien sûr, sa ville natale et sa ville préférée. Et Maud doit enquêter sur un meurtre. Et les thèmes, ce sont l'itinérance et la malveillance, l'intolérance. Donc, il y a des jeunes qui sont dans la rue et on voit ça de plus en plus et c'est ce qu'on va voir, ça va continuer. On sait que les gens ont moins d'argent. Ça se passe tout de suite après la fin de la pandémie. Donc, on est encore dans cet esprit-là. Et je parle aussi d'intolérance, mais vraiment d'intolérance envers la communauté LGBTQ parce que il y a un père qui n'accepte pas que son fils soit homosexuel. Je pense que ce roman-là, c'est pas la fierté, mais c'est je me suis ouvert les yeux davantage. J'ai mis le doigt sur quelque chose. Autant sur la détresse que sur la résilience et sur les gens qui veulent aider. Et ça, il y a une chaîne humaine qui fait chaud au cœur. Vous avez une facilité à écrire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vous toucher. Ding, vous êtes capable d'écrire sur le sujet? C'est facile comme au ça? Au jour le jour, c'est pas ça du tout. Non? Non, non, je reviens aussi. Il y a 40 ans, je pensais que plus j'allais écrire, plus ça serait facile. Puis je me dis, quand je vais être vieille, je vais avoir du métier, ça va se faire comme rien. Eh bien, c'est le contraire. C'est tout le contraire. Mais ce qui m'a rassurée, c'est que j'ai parlé avec d'autres collègues. Je pense à Denise Desautels, Louise Dupré, Lise Turcotte, qui sont des poètes que j'admire énormément. Et elles m'ont dit, vive la même chose. Bon, alors... C'est notre loi toute. Voilà. OK. Bien, merci beaucoup, Christine. Puis on a hâte de le faire découvrir aux lecteurs, finalement, parce qu'il va sortir la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie.